On en vient à une question relative au projet Embellir Paris. La parole est à Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Lors de la séance du Conseil de Paris du 2 avril dernier, avec Christian Honoré, nous sommes intervenus sur le projet Embellir Paris lié à la promenade urbaine située sous le métro aérien de la ligne 2. Le projet d'aménagement est ancien et depuis plusieurs années, les associations et les riverains se mobilisent pour élaborer des propositions et des projets au service de leur quartier. Le site de la promenade urbaine est choisi pour accueillir un projet du concours Embellir Paris et c'est évidemment une bonne nouvelle. Malheureusement, le résultat du concours qui a été annoncé a déçu. Après des années d'études, de réunions et de propositions, la promenade urbaine prenait enfin forme, pourtant avec comme fil conducteur la mise en lumière du viaduc du métro, un éclairage fonctionnel avec des lampadaires de style duplex, la mise en valeur des piliers sculptés, l'éclairage des grandes traversées et la mise en lumière des voûtes sous le tablier. Par conséquent, il apparaît comme une condition indispensable de dégager l'espace pour mettre en valeur l'ouvrage d'art ainsi illuminé. La pertinence d'un projet utilisant le sol comme toile vierge, qui se serait alors inscrit parfaitement dans la promenade urbaine, apparaissait alors incontestable. Aucune des trois associations, Action Barbès, Demain la Chapelle et SOS la Chapelle, qui se sont investies avec une rare énergie et depuis tant d'années, n'ont été associées à la décision du jury. Le choix de ce jury pose des questions de cohérence, en combinant deux propositions qui n'ont pas de rapport entre elles, à savoir une exposition de photos qui pourrait être présentée dans un autre lieu que cette promenade urbaine et un alignement de panneaux de toiles colorées. Il ne s'agit pas ici de juger la qualité artistique de ces deux projets. Notre préoccupation réside plutôt dans la contradiction manifeste avec l'esprit de l'aménagement de la promenade urbaine qui était de mettre en valeur au départ le viaduc, de dégager de grandes perspectives, de libérer de l'espace et d'apporter au lieu un maximum de clarté. De nombreux habitants et associations ne comprennent pas ce choix, qui une fois encore a été fait sans concertation préalable avec les parties prenantes. En réponse à notre première intervention au Conseil de Paris, l'exécutif municipal de Madame Hidalgo a déclaré se rapprocher des associations et des habitants pour établir une concertation soutenue et éviter tout malentendu. Or, il semble que cette concertation n'avait toujours pas eu lieu lors du dépôt de notre question. Les associations et les habitants attendaient toujours d'être contactés. Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire quelles sont les intentions de la mairie du 18e et de la ville de Paris pour qu'un véritable dialogue constructif s'établisse, de telle sorte que le projet que vous avez présenté avec ce jury Embellir Paris soit en cohérence et en harmonie avec la promenade urbaine, avec les objectifs au départ assignés et qu'on le revoie dans l'intérêt général? Merci. Karine Roland va vous donner des éléments de réponse sur cette partie du projet très ambitieux de la promenade urbaine que j'ai proposé avec, à l'époque, Rémi Ferraud, mon homologue du 10e. Et c'est nous, Rémi Ferraud et moi, qui avons pensé ce projet et lancé cette idée de faire mettre un terme à cette frontière entre le 10e et les 18e. Projet qui avance vite, avec beaucoup de concertations et qui est arrivé à avancer malgré les contraintes exogènes au quartier très fortes qui étaient portées. Moi, je veux redire ici ma satisfaction. J'en ai entendu, y compris des bancs de l'opposition, des moments qui auraient pu me décourager, des critiques sans fin sur tout et sur n'importe quoi. La réalité, c'est que tout ça avance et avance malgré tout, et ça avance grâce à nous. Karine Roland. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais spoiler, on est nombreux dans la salle à être fans de série. Vos informations ne sont pas exactes. La concertation a eu lieu 3 jours après que vous ayez déposé le vœu. Il fallait pour cela que nous ayons envoyé l'invitation avant. Mais je vais avant vous dérouler tout ce qui a mené à cette réunion qui a eu lieu la semaine dernière. Embellir Paris, c'est effectivement un dispositif très ambitieux qui a été lancé par Anne Hidalgo avec le soutien et la contribution, bien sûr, de Christophe Girard sur l'ensemble du territoire parisien pour que soient mis en valeur des lieux considérés comme délaissés ou qui sont en voie de valorisation. Dans le 18e, deux lieux ont été retenus. Il s'agit de l'impasse Dupré, tout près de la porte de la Chapelle, et de la promenade urbaine. Donc il s'agissait bien sûr, avec Embellir Paris, d'aller dans le sens de tout ce qui est mis en place
depuis 2014 pour travailler sur ce point de, qui doit être désormais un point de jonction, qui était une séparation et qui doit devenir un point de jonction entre le 10e et le 18e. Donc embellir Paris à cet endroit devait prendre en compte la rénovation patrimoniale dont vous avez parlé, avec l'éclairage, la mise en valeur des piliers et des soutènements du métro aérien, le fait que sont créés des espaces de convivialité, les projets de végétalisation importants aussi sous ce viaduc. Et c'est tout ce qui a contribué à la réflexion et qui a été soumis à la réflexion des Parisiens. Donc, en matière de consultation, il y avait une plateforme numérique qui a été consultée. Et sur cette plateforme, les Parisiens avaient même la possibilité de voter pour ou de voter contre. Les projets que vous évoquez ont fait l'objet de votes, de plusieurs centaines de votes. Donc, en matière d'information et de consultation, les outils existaient. Ensuite, des jurys ont été mis en place, un par lieu, et la composition des jurys était bien sûr pluripartite. Cela va de soi, il y avait des membres de la ville de Paris, les adjoints concernés, je pense à Christophe Girard, à Jean-Louis Missika, à Christophe Najdowski, etc., le secrétariat général, la direction des affaires culturelles, des personnalités qualifiées, donc des experts de l'art, de l'architecture, de l'urbanisme, les maires ou élus d'arrondissement, j'en étais au titre du 18e, Michel Nerneuf aussi, idem du côté du 10e, et puis des habitants qui ont été sollicités au titre de leur appartenance à des instances auxquelles on tient pas mal finalement, qui s'appellent les conseils de quartier. Et bien sûr, les associations. Alors, les associations, on va y venir après. Mais il nous a paru important, quand même, dans ce cadre-là, de respecter ces corps constitués qui existent depuis quelques années maintenant, qui ont fait preuve de leur utilité. Et pour le coup, les membres des conseils de quartier qui se sont mobilisés étaient membres des associations dont vous parlez. Donc, vous voyez, les choses peuvent se recouper. Et puis, pour chaque lieu, des Parisiens tirés au sort, porteurs de la carte citoyenne. Donc, tout ça formait des jurys d'une vingtaine de personnes qui ont délibéré. Pour en revenir, en fait, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, au projet de Randa Maroufi, vous dites qu'il aurait pu se déployer ailleurs. Alors, permettez-moi de ne pas être d'accord du tout. D'abord, c'est faire fi du travail de l'artiste. L'artiste ne travaille pas hors sol en se disant « Tiens, je vais prendre des photos d'un lieu sensible, d'un espace urbain dont on imagine qu'il pourrait vivre autrement. Et puis, on va faire ça ici ou ailleurs, on va l'exposer ici ou ailleurs. Ça fonctionnera tout aussi bien. » Non, Randa Maroufi n'a pas du tout réfléchi comme ça. Elle a fait le constat que, je le disais tout à l'heure, certains endroits du 18e, de la Goutte d'Or en particulier, font l'objet d'occupations de l'espace public exclusivement masculine. Et elle a porté son regard d'artiste. Elle s'est dit pourquoi pas ? Pourquoi pas imaginer que ça soit différent ? Donc, pour cela, elle va mobiliser des femmes. Donc, j'en appelle à toutes les bonnes volontés. Ça va se passer le 7 juin au soir, de 22h à plus tard dans la nuit. Et des femmes vont être invitées à figurer sur un film dont elle extraira des photos dans des endroits, notamment la place de la Charbonnière, différents endroits, mais notamment celui-là, dont on sait qu'ils sont aujourd'hui quasiment exclusivement occupés par des hommes. Donc ce projet, il est très spécifiquement ancré à cet endroit. Pourquoi le jury a-t-il considéré qu'il pouvait harmonieusement s'y intégrer? Eh bien, justement, parce que les tirages vont être très grands, ils vont être de dimension assez magistrale, ça va être du 4x3. Ils permettront de regarder vers le haut, y compris de valoriser la structure dont vous parliez. Et puis, bien sûr, le jury s'est posé la question des œuvres au sol.
Seulement, ce sont des endroits qui sont très fréquentés. La densité humaine y est très forte. Les jours de marché, bien sûr, mais de manière générale aussi, parce que c'est un lieu de passage intense. Et pour le coup, l'avis technique, vous avez considéré qu'il était incontestable qu'on ne pouvait pas travailler en hauteur, ce qui est paru plutôt recommandé, parce que l'incontestabilité, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ce qui a été recommandé par les services techniques, c'est justement de ne pas travailler au sol, parce que les œuvres auraient été d'abord invisibles, la plupart du temps, et très rapidement dégradées. Voilà. J'en reviens aux associations que vous avez mentionnées. Elles ont toute leur place, évidemment, dans la vie de ce quartier, je dirais même de ces quartiers, tant et si bien que ça soit Action Barbès, que ça soit Demain la Chapelle, que ça soit SOS la Chapelle, et je salue leurs représentants présents dans la salle aujourd'hui, ont été invités, effectivement, à une réunion à la mairie du 10e, à laquelle j'étais présente, à laquelle était présente Alexandra Cordebar. Monsieur le maire était retenu sur une autre réunion. Je confonds avec un autre projet. C'était Éric Algrin, premier adjoint du 10e, qui représentait Alexandra Cordebar. C'était mercredi dernier. Pour que la réunion se tienne mercredi dernier, il a quand même fallu qu'on envoie l'invitation un peu avant, vous voyez. Donc l'invitation, je vous le confirme, a été envoyée avant le dépôt de votre vœu. Et nous avons discuté, bien avant le dépôt de votre vœu, et nous avons discuté à la fois du processus Embellir Paris, du choix de ce projet, de la manière dont les femmes pourraient participer, de la manière dont tout cela serait accroché, entretenu. Ça va durer un an. Au bout d'un an, on verra. Et dernier point de désaccord avec ce que vous avez dit, finalement, l'espace public est très peu utilisé pour la photographie. Et qui plus est pour les photographes féminines. On parlait tout à l'heure des noms de lieux qui pendant longtemps étaient exclusivement féminins. Eh bien, sachez que dans l'art photographique, les femmes sont très sous-représentées aussi. Et que cet art, donc, est très peu exploité dans l'espace public parce que peur des dégradations, parce que pour différentes raisons qu'on peut imaginer. Et la promenade urbaine sera un lieu en partie dédié aux expositions photographiques. On parlait tout à l'heure du pont Saint-Ange qui accueillera des expositions de manière régulière. Il nous semblait intéressant de démarrer d'ouvrir la nouvelle promenade urbaine avec ce projet artistique, photographique, porté par une femme, ancré dans le 18e, le 10e, avec un message politique, j'ose le mot, fort, et une réalisation artistique tout à fait prometteuse, à laquelle, je crois, les représentants des associations présentes la semaine dernière, finalement, se sont plutôt associés. Merci beaucoup pour cette réponse précise. Un mot peut-être encore ? Rapidement, merci de votre réponse. Ce n'était pas un vœu, mais une question. Et cette question, elle émane des associations et des habitants. Donc, elle est légitime, qu'elle soit posée ici au Conseil du 18e. Je ne fais que relayer légitimement ce que les associations et les habitants disent. Je pense qu'il faut le prendre en considération au vu du travail ils ont fourni, de la réflexion qui est la leur sur le quartier. Ça me paraît important, surtout que les trois associations l'ont dit elles-mêmes sur différentes prises de position publiques, sur des réseaux sociaux ou sur des sites. Et donc, je ne fais que relayer. La réunion de mercredi dont vous parlez, très bien, mais il y a une différence entre une réunion d'information informée de ce que vous faites et une réunion de concertation, c'est-à-dire de co-construire des décisions qui peuvent être adaptées aussi aux demandes légitimes, encore une fois, des associations. Voilà. Mais nous aurons probablement le débat. Oui, toutes les demandes sont légitimes. Moi, la parole des habitants, figurez-vous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que des paroles des habitants, il y en a plein de différentes. Et si tous les habitants d'un quartier, d'un lieu, d'un endroit étaient unanimes sur une question, ça se saurait, ça rendrait surtout le rôle des élus plus facile, mais c'est pas comme ça dans la vraie vie. Et la réalité, elle est faite de diversité d'approches sur tous les sujets.
Et Karine Roland n'a pas seulement parlé de la dernière réunion qui a eu lieu avec un certain nombre d'habitants, tout à fait légitimes, qui se sont exprimés. Moi, je n'oublie pas la légitimité de tous les autres, hein, mais de tout le travail qui a été fait avant en matière de concertation, notamment sur ce sujet comme sur tous les autres. Et puis, à un moment, il faut avancer, donc il faut décider. Malheureusement, pour les exécutifs, c'est vrai d'une mairie, mais de tout autre exécutif, si on espère l'unanimité sur une question pour bouger, ben on ne bouge pas beaucoup. Si on imagine que, faut finalement, la seule façon de ne pas se soumettre à la critique, c'est de ne rien faire. C'est pas du tout ce que je décide de faire avec ma majorité, ce que nous décidons de faire ici avec la maire de Paris. On décide de faire. Quand on fait, on se fait parfois critiquer, c'est vrai. Et de ce point de vue-là, les réseaux sociaux sont quand même les premiers pourvoyeurs et de fake news et d'énervement pour pas grand-chose. Mais nous, nous décidons de continuer sur ce sujet et sur beaucoup d'autres, hein, de faire, d'agir, parce que cette promenade urbaine, on y tenait beaucoup, on a voulu la faire. Si on avait dû attendre que tout le monde soit d'accord sur tout, alors on n'aurait rien fait et cette promenade urbaine serait encore dans les limbes alors qu'elle est aujourd'hui en travaux.